Devenir réalisateur n'est pas une mince affaire. Beaucoup de facteurs entrent en compte. Outre le talent, la technique, le métier de créateur de rêve demande une volonté assidue, une connaissance parfaite de son sujet et une passion à toute épreuve. Mon frangin a décidé de se lancer vers cette passion qui était le cinéma. Puis dans sa tête, il s'est dit qu'il fallait le faire devant papa et lui dire « Bon ben, papa, voilà, j'ai envie de suivre des études de cinéma. » Tout en parlant, mon père l'a regardé bizarrement. Il l'a laissé terminer. Il le regarde et lui dit « Ça, c'est du cinéma. » Alors, il l'avait un petit peu là, quoi. Il l'avait un peu là. Tout petit, mon grand frère m'avait inscrit dans un concours de dessin à la télévision algérienne à l'époque, en 69, à la RTO, Radio Télévision Oranet. J'ai été sélectionné et j'ai eu le premier prix en direct à la télévision. J'avais 9 ans. Donc quand tu vois toutes ces lumières et tout, ça reste, t'inquiète pas, ça revient. Et puis c'est revenu des années plus tard, cette envie de faire du cinéma et de la télévision. Voilà, comment c'est venu. Moustapha Seguy est né en 1955. Il est le cadet d'une famille de 8 frères et sœurs. L'Algérie est sa terre natale. Son père est professeur d'académie et il vit dans une école pendant de longues années. Après un BTS de chimie, il travaille dans la plus grande raffinerie de sucre d'Afrique et réalise parallèlement différents films institutionnels et documentaires. Il arrive en France, il a 33 ans. Il passe par différents métiers. Boîte de production, formation à l'INA. Il parle pour convaincre. Il arrive à l'écart et tourne sa première fiction en 35 mm en 2000. Depuis, après plusieurs projets, il se fait remarquer dans différents festivals. Moustapha, c'est une histoire un petit peu en pointillé, parce que j'ai débuté à le rencontrer, disons, à l'école, à l'écart, tout simplement. Je l'ai eu de temps à autre comme étudiant. Alors il avait un gros projet qui s'appelait Les Deux Rives, qui était un projet qui est le problème qui s'est posé à la fin de la guerre d'Algérie, des pieds noirs qui devaient rentrer en France par rapport aux pieds noirs qui désiraient rester. Et à l'intérieur du travail qu'il a fait sur le 52 minutes des Deux Rives, il a trouvé un personnage tout à fait exceptionnel qui est Germaine, sur lequel il a véritablement bâti un 26 minutes. Et elle est véritablement un petit peu comme Moustapha d'ailleurs, pugnace dans ses démarches et tout, et elle n'a jamais abandonné. Ça, c'est absolument extraordinaire. Le film parlait de lui-même. Et ça, c'est l'un des points forts de Moustapha, c'est à chaque fois qu'il va prendre un projet, d'une part, il va jusqu'au bout de son projet sans se soucier de tous les tracas, de toutes les barrières qui peuvent intervenir entre lui et l'aboutissement. Et d'un autre côté, il aboutit un projet qui est véritablement un projet de qualité. La preuve en est, ce sont des demandes en festival, des passages, et quand même un sujet sur ce 26 minutes concernant Germaine, qui est un sujet un petit peu quand même à part de ce que l'on fait en production de documentaires. Représentante de la troisième génération de pieds noirs, Germaine Ripoll fait partie de ces rares Français qui ne se sont pas joints au cortège des rapatriés d'Algérie en 1962. En tant que réalisateur, je suis algérien et puis j'ai voulu faire un film sur ces pieds noirs qui sont restés en Algérie. Et pourquoi pas tous les pieds noirs sont restés? Il y aurait eu un Mandela, un Leclerc, il n'y aurait pas eu le départ de tous les pieds noirs de la communauté européenne, quoi. Voilà. Son documentaire Germaine a reçu les honneurs du Festival d'Amiens et a été repéré pour le Festival Vue d'Afrique de Montréal. Alors, mais c'est un Algérien qui a fait ce film, donc lui, Moustapha, je ne connais pas, je viens de le rencontrer, d'accord. Lui, visiblement, il veut réfléchir autrement et ça me paraît également très courageux. Pourquoi j'ai fait des Deux Rives? Parce que c'est une image qui me revient, même maintenant. Le jour de l'indépendance, en 5 juillet 62, j'avais 7 ans, et je vois encore ces images de pieds noirs qui partaient avec leur... Et je ne comprenais pas, et j'avais un petit ami, mon père était instituteur, on habitait dans une école, et juste à côté de l'école, il y avait une gendarmerie. Et j'étais tout le temps collé à mon ami tout petit, quand on avait 6-7 ans, et puis on jouait tout le temps dans la cour de l'école, et une fois j'allais chez lui dans la gendarmerie, on jouait. Et puis je voyais ça, et cette image me revenait. Pourquoi ils sont partis, quoi? Pourquoi ils partaient? Je dirais que c'est d'abord un têtu au sens positif du mot. Hein. C'est,
C'est un passionné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a toujours été jusqu'au bout de ses rêves. On est les insatisfaits éternels. C'est vrai, on est des insatisfaits éternels. On veut toujours faire mieux, on doute. À force de travailler, tu sais, il y a toujours un moment où tu as une récompense, quelle que soit. Minime qu'elle soit, mais tu auras toujours une récompense. Tu peux avoir de très très bonnes, un très bon synopsis, tu peux faire un très bon film, mais si c'est mal monté, mal mixé, ça ne passe pas. Il faut être toujours à l'écoute. Tu vois ? Les autres. La critique aussi. Ça n'a pas été facile, mais c'est une très belle aventure qui continue. Et ça, ça me fait plaisir. C'est un rappel, c'est un rappel une femme. Oh là là. Ça me rappelle une femme qui nous a donné beaucoup beaucoup d'émotions. Ça a été un travail de longue haleine et aujourd'hui on est enfin récompensé. C'est un peu comme si je venais de monter les marches à Cannes. Je suis assez fier de ce qu'on vient de voir ce soir. Une salle comble, des spectateurs ravis et une intervention de notre réalisateur assez, vraiment assez émouvante.